talk. You talking out of shit, but let me see if you can walk. Salut. Ça va? Bon, qu'est-ce qu'on fout là? Hein? Y'a plus de journée circuit ou quoi? Non mais sérieusement. Bon, en plus, à quoi ça sert tout ça? Ou c'est annulé, ou c'est reporté, ou alors le jour J, mes voitures tombent en panne, alors qu'elles roulent pas pendant 2 ans. Ah oui, elles dorment dehors encore. Eh oui, là, j'ai pas de maison. Alors faites un don. Puis abonnez-vous. Franchement. Non mais franchement, de toute façon, j'arrête. Les voitures, j'arrête. Cette chaîne, c'est fini. J'arrête tout. Les bagnoles, ça sert à rien. En plus, cramer de la gomme, faire de la mécanique toute l'année, en plus, ça marche jamais. Puis ça coûte cher, et puis c'est chiant. Cette chaîne, c'est terminé. Je vais me convertir à une vie plus spirituelle. Là, je rentre à la maison et puis j'arrête tout. J'arrête tout, j'arrête de bouffer, j'arrête les pizzas, j'arrête le café, j'arrête les clubs, j'arrête les films, j'arrête les femmes, j'arrête le sexe. Ouais. Yo Plume, bien ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, je réfléchissais. Tu nous rejoins? Ouais, on est à Spa-Francorchamps là. À la prochaine sortie, continuez toujours oh, tout droit. Oh, mais ta gueule. Continuez toujours tout droit. N'hésitez pas à vous arrêter pisser. Salut. Oh. Y'a quoi, Plume? Nickel. Salut à tous. Cédric Mala. Avec sa Clio... Avec la petite Clio 2. Diesel. Combien de chevaux, quel poids, quel pneu? Alors là, si tu veux rentrer dans les pneus, on va y passer un certain temps. C'est des pneus indiens. Ok, ça m'intéresse. Mais moi, ça m'intéresse. Ça, c'est vraiment plus. C'est des MRF Motorsport. J'en veux. Ouais, c'est des très bons pneus. Pas ouf sous la pluie, mais sur le sec, ils sont vraiment, vraiment bien. Le poids, ça fait 1030 kg. Et les chevaux, il y en a à peu près 200. Ou 190 plus, voilà. Ok. Guy Touch. Geeky Touch. 205 GTI 1986. Ah merde, attends une seconde. Ouais, Geeky Touch. Bon bah voilà ma petite 205 GTI. 105 chevaux 1986, 360 000 km. Je crois que les hier chevaux. Ouais, bah 300. Hey, t'es pas encore à la moitié de l'accélération. Ça ne laisse pas indifférent. Les pneus? Bah les pneus du Conti Sport Contact tout neuf. Avec le brillant du Action? Voilà, tout à fait. C'est du liquide de refroidissement. Et puis 105 chevaux d'origine quoi. Salut! Pas tout? Pas tout? Ouais. C'est pas tout? C'est ça? Mais j'ai l'impression que tu me dis pas tout. Pas encore tout. Bah vas-y, dis-nous tout. Donc Civic EP3, le 2005, phase 2. Petite admission, ligne. Le pneu de Super Sport. 1200 kg là d'origine. Ok. Ouais. Moi j'aurais pas le je pourrais pas montrer avec tout le monde moi. Hein. Malheureusement, on n'aura pas le temps. Alors moi c'est Miguel. Miguel. Processeur, Golf 6 GTI. GTI classique, un stage 2, les freins, suspension. Pneu continental hein, classique. Ok. Et voilà, des freins, des gros freins, puis c'est tout. Bah moi c'est Totof, aujourd'hui je suis piéton, je suis passager. Ouais, à la maison. Ça, ouais, c'est malheureux mais bon. C'est pas grave, je vais tenir le casque et je vais changer les pneus pour eux. Ça c'est bien ça. Ben, c'est moi, c'est Andy, frère Miguel, copilote. Copilote pour le moment. Bête au pilote. Voilà. Pareil, on change les roues. Vas-y la gueule. Je vais partir en Babylone. Babylone. Salut, c'est Gilou. Salut, c'est Gilou. Alors moi, je suis en BM double pied aujourd'hui. Voilà. Explique pourquoi t'es double pied. Explique pourquoi. La voiture n'est pas finie. Voilà, t'as pas terminé la voiture. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va rouler. Ben, sauf moi, parce que j'avais prévu de venir avec la 88, mais je me suis dit qu'elle était en panne.
Donc je suis venu avec le croco, je vais monter des semi-slicks et je vais quand même pas rouler. On va monter avec Cédric Mana dans sa Clio. Alors c'est parti pour l'inscription. Putain, 40 euros pour monter les papiers. C'est chier. La P2 session, c'est pas donné l'accompagnement. Mais t'as quand même une boisson. Il m'a appris tous mes secrets. Faut pas te dire. En voiture! On est avec Cédric Mana. Ah, ben voilà, c'est avec ça que le drift est bon. Oh yeah! Spa Francorche! Avec plus de moi! Cédric Mana! Allez, regarde, elle a arrêté, j'en ai pas encore. We'll be right back.
c'est éteint net. Dans ton quartier, toi? Pourquoi ils sont fâchés comme ça? Et voilà, hey, vous avez vu? Dans cette vidéo, on a respecté le quota. On a mis des blancs. Bon, hé, hey, on va au Nordschleife ou quoi? Allez, c'est parti, go! C'est parti! Vous dépassez la vitesse autorisée. Vous ne dépassez pas la vitesse autorisée. Mais putain de bordel de merde, comment il faut que je vous le dise? De toute façon, vous m'écoutez même plus. Je vais me convertir en répondeur téléphonique et aller tous vous faire enculer par un temps de là. Bon les gars, on est arrivé au Nordschleife. Ouais. On va faire un tour? Ah oui, allez. Bon, on est là pour ça, hein. Ouais. Bon bah. J'ai fait cette petite acquisition. Eh oui, la surprise du jour en fait, c'était que à défaut d'avoir la 328, je vais rouler avec la 330D sur le Nordschleife pour la première fois de ma vie. Alors c'est parti. Les sœurs renouvelles. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Oh, ça a cartonné alors. Bon bah, accident. La NS, elle est fermée. Il y a un motard qui vient de... Je crois qu'il est décédé. Donc du coup, c'est mort pour ce soir. Il ferme tout. Voilà. Une fois qu'on l'a remboursé, verdict. Voilà dans le cul. Voilà. Bah non, mais... La session était bonne. C'est un peu trop résumé. C'est un peu trop résumé. Bon, bah, c'était super. On fait le GP? Bah ouais, vas-y. Bon, bah allez, on fait le GP. Merde, 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 et merde. On va au GP, voir s'il y a moyen, mais il y a eu un accident aussi. A priori, c'est un bon pet là sur la NS, un truc assez grave. Un truc de fou. On roule au Nürburgring GP. Bon ben, on va se taper du GP. Hein. Passe pas mon casque. Ah mais il y a tout le monde qui roule en même temps en fait. Les motos, les voitures, oh, laisse tomber. Ah je suis bloqué maintenant. Putain. Oh mazout, au mieux je parte derrière parce que sinon ils vont en prendre plein la gueule. Mais il y a trop de monde là, c'est abusé. Je suis complètement fou. Pourquoi je fais ça?
Pourquoi je fais ça? C'est obligatoire le casque? T'as pas besoin? Ah non, non. On verra. Mais il y a trop de monde. Il est 19h30 environ. C'est une session presque de nuit. En tout cas, je viens à dire que c'était une super journée. Merci Cédric, merci à toute l'équipe. Vous êtes vraiment des oufs et ça fait super plaisir de faire une super journée avec vous. Je le dis au cas où je meurs, moi comme ça c'est dit, ça sera dans la vidéo. Quelqu'un récupérera et fera le montage à ma place. Au moins ça me délaissera de ça. Ah, j'y crois pas. Nürburgring GP, circuit de Formule 1. T'achètes une carte et tu roules. Même pas obligé d'avoir le permis alors du coup. On le sent là, le stress. Le feu rouge, on est mort. Oh non, on peut pas passer, il ferme le portail. Oh putain. Ouais, je pense que c'est mort. Quoi. Ouais, c'est mort. Bon, on peut y aller, on peut rouler. On attend juste 45, ils vont peut-être nous ouvrir, on sera les seuls. Il y a toute cette bécane. Ça va être déjà chaud. Tu mets l'adresse GPS. Alors,
Explique. Oh, c'était cool. On a fait la queue, on a été, on s'est fait refouler. On est content, on est content. On n'a pas fait Nordschleife. Mais on a fait le. Mais on n'a pas fait le GP non plus. On a fait le parking du GP. Oui. Ni Nordschleife, ni GP, ni va te faire foutre. Voilà. On va faire du karting, on va se tuer encore. Tu vois. On était prêt à faire du Nordschleife et du GP. On va avoir une bière. Ah, une bière, c'est bien ça. Je pense qu'on va pas tourner ce soir sur la NS. Peut-être demain matin. On verra. Si on part pas trop tôt. Le GP dans le cul aussi. Allez, retour à la maison. Ciao. C'était vraiment très intéressant. Voilà, on est à l'hôtel Amder Nordschleife, à l'entrée numéro 2. Très bel hôtel. Oui, bonjour. Bienvenue, la fleur c'est ici. Cool. Au revoir. Bon bah finalement après un bon resto, un bon apéro et avec des super poteaux, franchement les gars, on a décidé de rester demain pour rouler sur l'Orschleife s'il fait beau. Et moi je vais me coucher parce que je me lève très tôt pour aller faire de belles images du circuit au lever de soleil. Bonne nuit. Bah abonnez-vous.